l'un des principaux moteurs de la forte croissance économique du Japon, le Kaizen, a généré des changements positifs dans de nombreux sites de production. Le terme Kaizen désigne le système de connaissances et d'activités utilisé pour examiner et améliorer la qualité et la productivité du travail dans les sites de production de l'industrie manufacturière. Pour mettre en œuvre des activités spécifiques, le Kaizen comprend un large éventail d'outils, dont les 5S, les 7 outils de contrôle de la qualité, le TQM, etc. Le Kaizen a été utilisé comme une approche et une méthodologie d'amélioration de la qualité et de la productivité dans les sites de production japonais, et aujourd'hui, il est reconnu dans le monde entier. La valeur fondamentale du Kaizen est fondée sur la création d'une attitude partagée par tous les membres d'une organisation qui recherche en permanence des niveaux élevés de qualité et de productivité, et non pas uniquement dans l'application de sa méthode de gestion. Chacun est doté des connaissances et des compétences nécessaires pour améliorer la qualité du travail. Le Kaizen est une approche conviviale d'amélioration de la qualité et de la productivité qui permet d'obtenir des résultats importants en faisant continuellement de nombreux petits efforts. Le Kaizen, né au Japon, a été accueilli favorablement dans des pays du monde entier. En 1983, la JICA a lancé sa coopération technique pour l'amélioration de la qualité et de la productivité à la japonaise en Asie. Ces activités ont fini par s'étendre au monde entier et, actuellement, en Afrique, la coopération, y compris la formation, est assurée dans 25 pays. Cette entreprise éthiopienne fabriquait auparavant des produits avec des machines à faible taux de fonctionnement et se retrouvait avec de nombreux produits défectueux. Avec l'aide de la JICA, elle s'est lancée dans le Kaizen. Ainsi, les travailleurs ont appris l'importance de la maintenance. Cela a conduit à une série d'activités Kaizen, notamment le bon fonctionnement des machines. Developing positive relationship between the workers and the management. Reduction of absentees in the workplace. Reduction of sick leave in the workplace, which encourages and motivation the workers to stay in the workplace. Why? Because the production increase, profitability of companies increased, their salary and the bonus is increased, so that everybody get happy. En Tunisie, une formation Kaizen utilisant une ligne de production simulée a été initiée. La JICA a envoyé un expert japonais pour transférer la technologie afin que les équipements puissent être utilisés en continu après la formation. Ils peuvent agir directement, faire des améliorations tout de suite et avoir des bons résultats avec cette ligne de production simulée. Parce qu'ils l'ont été formés au Gemba, c'est-à-dire au terrain. En Zambie, un concours national pour les résultats Kaizen de diverses activités du Cercle de contrôle de la qualité est organisé chaque année, donnant ainsi aux participants l'occasion d'apprendre diverses techniques Kaizen. Certains des lauréats de ce concours ont participé à la Convention internationale des cercles de contrôle de la qualité, ICQCC, et ont remporté de prestigieux prix en or. Well, what led to the award receiving is the training that we received from the Kaizen Institute of Zambia. They gave us
quite a number of ideas on how we are supposed to carry out our projects. Au Cameroun, une chanson Kaizen a été produite avec des artistes professionnels présentant le Kaizen de manière ludique par le chant et la danse. Le Kaizen est mis en œuvre dans différents pays selon des modalités adaptées aux conditions de chaque pays. La JICA continuera à apporter son soutien au reste du monde tout en communiquant l'efficacité du Kaizen comme un élément clé du contenu de la coopération du Japon.